Vinyl is Alive, Radio Graphite, vous êtes avec le magicien pendant une heure. Le thème d'aujourd'hui, c'est folk. C'est parti. Pour la satisfaction de tous, nous voudrions vous rappeler les règles suivantes. Défense de parler. De fumer. De jeter des ordures. De manger de la viande rouge. De choisir sa religion. Et n'oubliez pas, tous les mariages doivent avoir l'approbation du ministère de la Santé. Bon spectacle. Vinyl is alive. Oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Mademoiselle, là, qu'est-ce que je leur sers? Faudra peut-être penser à renouveler les consommations. Un café avec 5 pailles, madame. Fais le malin, toi, tout le monde consomme ici. Vous voulez pas sucer mon pote pendant que je vous encule? Au nom de Dieu! Live Radio Graphite, vous êtes avec le magicien pendant une heure dans votre émission éclectique et vinylistique. Aujourd'hui, je suis très content puisque je reçois un invité. Voilà, c'est son thème, c'est une spéciale folk aujourd'hui. Je suis avec Olivier, un grand collectionneur du Compiègnois. Bonjour Olivier, comment ça va? Bonjour le magicien, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Ouais, ben aujourd'hui, on va faire le folk parce que ça n'avait pas encore été fait dans tes précédentes émissions. Donc, un thème musical assez large quand même pour. On va passer à la musique. Là. Ouais, si tu veux. Bon, bah alors, il va y avoir différents types de folk. Tu nous en parleras un petit peu plus. Tu nous parleras des artistes. Et puis, ça va être plutôt guitare, plutôt calme, pas forcément, parce qu'il y a des fois où ça peut être un peu plus électrique. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un invité. On commence tout de suite. C'est parti dans Vinyl is Alive. Darkness cannot hide her, shadows cannot find her, she sweeps them away, all the good things come to her, she takes them easy. And puts them in a rainbow to feel for all to see. Giving is a pleasure. Oh.
it's a merry-go-round and round a merry-go-round. You can't keep your feet on the ground, the ground, the merry-go-round. Time flashes by and you're asking why. Let me get off, please make it stop. You caught in the whirl. Assume your stance. Start your dance. Play your role. On with the show. It's a merry-go-round and round a merry-go-round. You can't keep your feet on the ground, the merry-go-round. Time flashes by, you're asking why. Let me get off, please make it stop. But you're caught, caught, caught. You're caught in the whirl. Takes me. But in times you grow funny, there is nothing to see. Times of moving down, times when you go wrong. The mystery of you, the mystery of me. Once upon a time, life used to be fine. You were sweet as lime, I was used as childish times. Times of moving down, times when you go wrong. Mystery of you, mystery of me. Trust my fear, our life's getting queer. Everything is clear now, we're out of gear. Tonight, but tonight.
Live Radiographie, vous êtes avec le magicien pendant une heure. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagné d'Olivier, un grand collectionneur de Compiègne, qui nous fait le plaisir d'être ici, qui nous fait découvrir un de ses thèmes favoris, le folk. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté de beau là pour les quatre premiers morceaux? Alors, le premier titre était de Subway, donc un duo irlando-américain, enregistré à Paris en 1971. Un peu de la seed folk assez envoûtant. Ensuite, Yann et Lorraine, enregistré en 1969, donc duo féminin. Ça vient de quel pays, le duo féminin? Duo US, américain. Mmh. Et on est passé ensuite à Denis, donc de son vrai nom Denis Fournier, un private. Enregistré en 1978. Ok. Voilà. On était en France ? En France, oui. On a ensuite été en Portugal avec Banda do Casaco. Le titre était Alvaro da Tio Leras. Désolé pour l'accent. Et donc, c'était leur troisième album de 1977. Ouais, donc là, on s'est bien baladé dans le temps et dans l'espace. On est parti de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Et également, à la fois, on a dit France, Portugal, US, Angleterre. Plutôt des grands pays de musique, mais on va voir après aussi qu'il y a des pays, enfin voilà, avec des pays pour lesquels on serait moins habitué à entendre de la folk ou de la musique à guitare. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question de la définition du folk? Voilà, c'est la question casse-gueule. Ouais, c'est parce que après, folk donc vient de folklore, etc. Donc en fait, c'est les éléments traditionnels de chaque musique, mais après avec des ajouts divers selon les rencontres musicales, etc. Quoi. Enfin, après, c'est un domaine assez large. Donc, Et c'est plutôt acoustique, il me semble, plus qu'électrique. Ouais, il y a les deux. Il y a folk, acoustique folk, folk rock aussi. Enfin, après, le folk n'est qu'un élément. Après, viennent s'y ajouter d'autres éléments. Oui, c'est vrai que ça inclut beaucoup d'instruments. On part sur une base certainement guitare, basse, enfin peut-être un peu comme le rock, etc. Batterie, enfin quoi que batterie, non. Pas toujours, il y a de la percu, mais pas forcément de la batterie. Non, et puis après, derrière, il y a des éléments plus traditionnels. Bah, disons, non, c'est le contraire, le folk est plus acoustique, et viennent s'y ajouter en fait d'autres éléments ensuite, comme le rock, donc le folk rock, etc. Enfin, d'accord, c'est dans l'autre sens. C'est plutôt l'acoustique d'abord, et, à mon sens en tout cas. D'accord, très bien. On refait une deuxième boucle avec quatre nouveaux morceaux. C'est parti, Vinyl is Alive, le magicien spécial folk. Allez. Thank you.
We'll be right back.
a look at little Nancy's report card. Hiroshima in your garden, Hiroshima on your lawn, Hiroshima in your lovely darling's kisses, gone, 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 gone. Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Ils viennent troubler le petit jeu. C'est souvent une image qui brûle plus que du feu. Pour se faire entendre, ils ont tout au plus l'ombre d'un sanglot. Un visage triste qui dérange quelque peu. Qui dérange quelque peu. Les murs, derrière les frontières et les océans, ils sont loin, beaucoup trop loin en ce moment. Ma guitare qui se perd en quelque arpège vaporeux ne sait pas d'où je lis les mots qu'il faudrait pour eux. Les mots qu'il faudrait pour eux. Qu'il remporte ses sanglots. Voilà que se lève le soleil sous tes yeux mi-clos. Et pour dire je t'aime, je sais que tu as d'autres cartes dans ton jeu qu'un sourire ou tes yeux, que t'arranges comme tu peux. Que t'arranges comme tu peux. Tout à l'heure, qu'on les oubliait quelque peu.
sera plus près de nous si les chansons ne commençaient plus par le jeu. Ne commençaient plus par le jeu. Live Radiographie, vous êtes avec le magicien pendant une heure dans votre émission éclectique et vinistique. Aujourd'hui, le thème c'est folk. Je reçois un grand collectionneur de Compiègne, Olivier, qui nous accompagne durant cette heure où on se balade. Et donc là, on vient d'enchaîner quatre morceaux d'Olivier. C'était quoi ces quatre morceaux? Alors, le premier était John Terrazzo, un album sorti au début des années 80, plutôt dans un style loner, on va dire. Ensuite, on a enchaîné avec un groupe français, Troisième Rive, sorti en 1978. Là, on peut dire que c'est folk rock progressif, s'il faut classifier. Et on a enchaîné sur Edwy Patrizier, groupe corse féminin de fin 70, hein, je ne sais plus, 78, voilà, exactement. Et on avait commencé par autre chose. Ouais. J'ai oublié, là, c'était Vis Twelves de 1973. Non, un groupe hawaïen. Ça, c'était super. Il y avait plein d'ambiance dans ce morceau. Celui-là m'a beaucoup plu. Je pense que c'est un des morceaux qui m'a le plus plu. Et puis après, ouais, j'aime beaucoup aussi le morceau de Troisième Rive. Là. Je suis assez sensible au rock, prog-rock, années 70 français. Et ça me parle aussi, hein, tout ce qui est... bon, voilà. On va citer Ange, mais il n'y a pas que Ange. Il hein. y a forcément les Martin Circus. On parlait de Carpe Diem. On parlait de plein de groupes comme ça. Là, c'était sorti sur Iris, je crois. C'est Iris, ce que tu disais. Oui, fin 70.
Ok, on continue, on a calé le dernier disque. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, Radiographite va bientôt fêter ses 30 ans, donc il va y avoir des petites animations autour de ses 30 ans. Il faut bien se tenir au courant sur le site internet de Radiographite et via les réseaux sociaux, Facebook. Facebook, vous pouvez retrouver aussi Vinyl is Alive, bien sûr, Diggers Réunion. Et puis, bah, c'est également Vinyl is Alive depuis peu, hein, une chaîne YouTube. Et puis, voilà, il y a sur lequel vous trouvez les podcasts, des émissions, des morceaux un petit peu obscurs, voilà, comme cela, ils auraient largement leur place sur mon YouTube, parce qu'on est vraiment dans ce qui se fait de plus pointu au niveau du folk rock. Et on continue avec Olivier pour ce qui va être les 4-5 derniers morceaux de cette émission. C'est parti. Чакання, Леона бедінку слуша, бо вітер пророшка позвання, інсання, даная, Це со тихе, ім коні бежіє равніна, жито ноч бодеш на боку, пущиця на питому локу, ім харфа звуку, даная, даная. Traio bratje, odgrne ja slepo in speča, z nevidna toplina ob strani, in drobna kaplja na dlani, klepeča, denaja, denaja. Y
të kishani rene sfëngi Pesët ju hëni o shërmën që hi Gami të brioti ti rene sfëngi O shiu mamën botlon o shërmën që hi Drwy fwch goch a dael y gadi Drawth droed y mynydd y gwelau si Drwy fwch goch a dael y gadi Drawth droed y mynydd y gwelau si Drwy fwch goch a dael y gadi Drawth droed y mynydd y gwelau si Drwy fwch goch a dael y gadi Drawth droed y mynydd
I am or what I'm feeling. Sometimes I find it hard to know. I got a feeling people walk without seeing. I got a feeling they're so low. I must be some kind of fool, trying to break all the rules. I must be some kind of fool. These people walking down the streets just look like penguins. Those people work, they don't know why. Day after day we gotta stand so many things, but I just got bored on a while. Oh, I must be some baby boy, trying to laugh, trying to smile. Oh, I must be some baby boy. Playing a game of hitch and hike. Are you looking for a man? Oh, I must be some kind of fool, trying to love you, trying to warm you. I must be some kind of fool. I wonder who I am or what I'm feeling. Sometimes I find it hard to know. I got a feeling people walk without seeing. I got a feeling they're so low. I must be some kind of fool, trying to break all the rules. I must be some kind of fool. Try and reach me, try and keep me up. Da di da ba, da di ba bo, da da ba ba, da di da ba no, da da ba da ba ba no. Let the cinema grow, let the flower grow. Darting circles in my mind. I wonder why
I broke through the sky, looking outside, looking inside. Just passed by another picture of this passing shoe. How can one have sorrow in the midst of the golden sunset? Radiographie, vous êtes avec le magicien pendant une heure dans votre émission éclectique et vinylistique. Aujourd'hui, c'était une spéciale folk. J'ai reçu Didier qui nous a passé une douzaine de morceaux fantastiques. Donc dans la dernière salve, là, on a eu 5 morceaux, puisqu'on s'était trompé sur un autre morceau, on va parvenir, une sombre, sombre histoire. Dis-nous les 5 morceaux qui sont passés. Alors, on est reparti avec Thomas Pengoff, artiste slovène, Slovénie, de 1973. On a enchaîné avec Pererine, un groupe gallois des débuts des années 80. On est ensuite passé à Edwige, artiste française, soit 1975 environ. On a ensuite réenchaîné avec un deuxième titre de Denis, hein, Some Kind of Fool. Et donc, on a fini avec Sonny Zandueta, artiste belge, on peut préciser d'origine indonésienne. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Enregistré courant des années 70. Voilà. Donc, on a passé un deuxième morceau de Denis, puisqu'on s'était trompé tout à l'heure. J'avais pas mis le bon morceau, le disque. C'est un private press. Et du coup, on a. Voilà, c'était pas facile de distinguer les deux faces. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'avais pas mis le bon morceau. Et puis là, on termine tout doucement avec cet artiste belge d'origine indonésienne. C'est tout cool, c'est bien. On a eu des morceaux, voilà, qui envoyaient un petit peu plus, des morceaux un petit peu plus calmes. Certains qui étaient effectivement très tradis, et puis d'autres qui étaient plus l'honneur ou simplement à la guitare. L'artiste slovène, là, c'était juste de la guitare avec une voix qui portait bien. C'était magnifique. En tout cas, c'était que des découvertes pour moi, que des disques que je connaissais pas. Je pense que pour la plupart des auditeurs, ça va être la même chose. Belle émission. Je suis très content de t'avoir reçu. C'est super. On aura certainement d'autres projets. Ce serait génial qu'on puisse réenregistrer, voilà, sur un autre thème un de ces jours. Tu viens quand tu veux. Ouais, je te remercie. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé? Ouais, c'est bien, c'est un petit aperçu du folk, hein, mais c'est vrai que c'est un domaine musical, enfin, on pourrait faire, je sais pas, beaucoup d'émissions sur le folk, hein, c'est vrai que c'est... Après, c'est bien, ça permet de découvrir... Voilà, on a essayé de ne pas enfoncer des portes ouvertes, on n'a pas écouté du Neil Young, même si j'adore Neil Young, par exemple. Hein. Voilà, c'était un peu plus pointu, et j'espère que ça a plu à tout le monde. Vinyl is Alive, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à bientôt, restez branchés sur le 94.9 FM. Allez faire un tour aussi sur la radio avec laquelle Diggers Réunion est partenaire, la web radio stereogang.fr. Voilà, on envoie des petites playlists, on a de temps en temps des petites émissions à nous, en tout cas de la Team Diggers Réunion. Prochaine émission, une semaine, deux semaines, on verra bien en fonction, on définira le thème. Et je vous dis à bientôt. Merci, ciao Olivier. Salut.